monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aussi, on se retrouve oui, aussi, mais surtout aujourd'hui, on doit être lundi 6 février. Et aujourd'hui, on va faire un Polaroid et une petite carte pour le concours de Titi Scrap et ses passions, je crois, si je me trompe pas, le nom de la chaîne. Donc, moi j'ai déjà tout préparé. Je vais utiliser des die-cuts, des blocs de action, du papier pareil, d'un bloc d'action qui date d'il y a longtemps. Donc, il faut faire une petite carte de 10 sur 7. Donc, j'ai fait ma base. Je suis un petit peu ancré mes bords, je sais pas. Pétard. Comme ça, qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà, j'ai ancré un petit peu mes bords et j'ai pris plein de die cuts qui viennent de chez Action. Alors je sais pas pourquoi cette année, le thème de l'hiver, franchement, dans mes créations, ça m'inspire pas, en fait, j'ai du mal. Du coup, j'ai un peu galéré, ça fait... Bah, j'ai passé tout le week-end dessus et l'inspiration ne venant pas, je m'y suis repenchée aujourd'hui. Et voilà, on va faire quelque chose de simple avec que des die cuts parce que ouais, ça vient pas, c'est comme ça. Donc j'ai pris un petit bocal avec du houx à l'intérieur, j'ai pris un petit rondin de bois, j'ai pris des étoiles. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Le mot Wintertime. Des bandes de papier comme ça, imitation washi. Bon, vous allez me dire, j'aurais pu mettre du vrai washi. C'est pas faux. Mais bon. C'est pour changer un petit peu. Bon, j'enlève tous les petits bouts qui dépasse. Voilà. Hop. Parce que ça, c'est quand on découpe, quand on détache les die cuts des blocs, on a plein de petits bouts là de papier. Moi j'aime pas ça. Alors, hop, j'essaie de les découper. Bon, c'est pas évident là, par exemple sur l'étoile, c'est pas vraiment évident. Donc du coup voilà. Donc je vais commencer par la carte. Ben, ça va être simple hein, ça va être du collage. Hop, alors on va d'abord coller non, je voulais d'abord coller un petit ruban que j'ai eu dans un échange. J'ai un gros paquet là rangé de tout ce que j'ai reçu dans les... Pas dans les échanges. Oui, dans des échanges ou dans des courriers. J'ai plein de choses à ranger. C'est le bazar un peu sur mon bureau. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Donc là, je vais prendre... J'essaie de finir les... Les, comment dire, les rouleaux, parce que j'en ai plein d'entamés. Franchement, alors hop. On va coller un petit bout de ruban comme ceci.
Bon, je ne sais pas si je vais participer à tous les concours que j'avais notés parce que beaucoup c'est le thème l'hiver. Et je vous avoue que voilà, là c'est un peu. Ouais, je sais pas pourquoi. Je suis pas motivée. Pourtant, c'est un thème qui me plaît bien, mais je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. On va coller. Alors, ça, c'est bouché, comme d'habitude. Aïe, aïe, aïe. Alors, on va coller. Voilà, ensuite. Hop. On va venir couper Chouya. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai pris ceci, donc un rondin de bois. C'est pareil, il y a plein de petits bouts qui dépassent. Je déteste ça. Mais bon. On les enlève. Ça prend un petit peu de temps, mais voilà. Et ça, j'ai bien envie. Non, j'ai envie de rien du tout. Je vais le mettre à plat. J'allais dire, j'ai bien envie de le mettre en 3D, mais non. Hop. Donc, on va mettre ça. Hop. On va venir prendre quelques feuillages. Qu'est-ce que je vais mettre? Je ne vais pas mettre ça, ce n'est pas l'hiver. On va prendre ça. Hop. Ouais, on va mettre deux petits bouts de feuillage comme ça, blanc. Ça, franchement, ces trucs là, ça m'énerve. Bon, je sais pas quel temps vous avez chez vous, mais nous ce matin, enfin, moi ce matin à 6h quand je suis partie, ça allait. Après, il a commencé à faire très froid et maintenant on a un grand soleil dehors. Donc ensuite, je vais prendre mon petit bocal et là, je vais venir le mettre en 3D. Pareil, on va essayer de finir les rouleaux entamés parce qu'il y en a beaucoup. Ouais, non, celui-là, il est fin. Ouais, bon, je mettrai deux épaisseurs.
Voilà. Comme ça, je vais coller ça ici. Ensuite, j'ai pris des petites étoiles. Ah oui, j'ai pris le mot. Alors, j'ai pris encore un morceau un peu stylo washi. Que je vais venir mettre ici. J'ai pris le mot winter time. Que je vais mettre ici. Ça pardon. Ensuite, je vais prendre ma petite perforatrice. Attendez, hop là. Alors, pour ce défi, il fallait faire une carte et comment ça s'appelle, ma fille l'autre jour, je lui ai demandé la perforatrice, elle m'a ramené ça, au lieu de ramener la vraie perforatrice, et elle m'a fait n'importe quoi. Alors attendez, sur celui-là, elle m'a bloqué un truc là. Hop. Voilà. Elle est pleine de poussière. Alors, on va prendre... ça, c'est la... la S. Alors, attendez, parce que je ne me rappelle déjà plus comment ça fonctionne. Non, ça c'est la M, c'est là la S. Donc moi je vais utiliser la S. Voilà. Parce que je voudrais mettre une petite perfo ici. De toute façon, j'ai pas besoin de la mettre là-dessus, je pense. La mettre là. Un peu trop. Alors, je suis mon bidouillage. Je vais la mettre là à peu près. Voilà. Bon, ça apporte pas de spécialement. Mais j'avais envie de la mettre. Voilà, une petite agrafeuse, un petit agrafe bleu. Je sais pas si vous la voyez. J'aime bien. Ensuite, éteindre cette lumière parce que comme il y a beaucoup de soleil, je sais pas. Bref, bon, de toute façon, vous voyez toujours, c'est principal. Ensuite, qu'est-ce que j'avais pris pour ça? J'avais pris une étoile comme ceci, que je vais venir coller là. C'était pour celui-là ou pour le... Non, c'est pour celui-là. Je ne sais plus. Comme ça, et ensuite j'en ai pris trois petites. Une blanche, une bleue et une dorée, parce que il fallait que ce soit fallait qu'il y ait du bleu. Donc bon, moi je pense que pour le coup j'ai mis du bleu. Voilà. Hop. Et voilà. Ça. Et peut-être que je vais mettre quelques petits strass, mini strass bleus. On va essayer.
j'arrive à les décoller. On va mettre 2 ou 3 mini strass bleus comme ça pour dire. Hop. Hop. Je pense que pour février, je pense pas que je vais faire tous les concours parce que c'est beaucoup sur le thème de l'hiver. Du coup, je vais voir. Mais il y a des copines, je leur ai déjà dit que je participerai. Donc, je vais participer. En plus, je pense que c'est même pas sur le thème de l'hiver. Donc, j'ai fait tomber. Là. Hop. Il faisait tellement froid ce matin que après quand je suis rentrée du travail, j'ai pris une douche et j'ai mis le pyjama. Ah ouais, non, il faisait trop froid là. J'avais le froid en moi, j'étais vraiment pas bien. Et ensuite, je vais venir la coller sur ma base. Hop. Voilà. Voilà, donc déjà la petite carte, donc 10 sur 7 sur le thème de l'hiver avec du bleu. Voilà ce que j'ai fait. Et ensuite, il fallait faire un Polaroid, pareil, sur le même thème, avec du bleu aussi. Donc la taille du Polaroid, c'était pas imposé. Moi, j'avais des Polaroid en dies, mais bon, ils ne me plaisaient pas trop. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris... Je mets un peu d'or en même temps, excusez-moi. C'est mal élevé, mes rangées, mais bon. J'ai pris... j'ai pris cette punch board pour faire les cadres. Et j'ai fait mon Polaroid moi-même, parce que ce que j'avais en dies, ça ne me plaisait pas vraiment. Donc... J'ai reçu du courrier ici. Il faut que je fasse la vidéo. Donc, mon Polaroid. Donc, je l'ai coupé dans le même bleu que ma carte. Au fond, j'ai mis un fond en bois. Et derrière, j'ai mis du blanc pour bien consolider. Et j'ai fait pareil. J'ai pris les die cuts du même bloc que pour ma carte. Voilà. Donc, je coupe. Alors, je vais vous mettre sur pause 2 minutes parce que je vais couper tout ça et je vous reprends. Donc, voilà. J'ai découpé tous les petits tours là parce que ça, j'aime pas. Et oui, je vous disais, donc j'ai utilisé la punch board. Elle s'appelle comment? Punch board. Fram punch board de We Are Memory Keeper. Ça fait longtemps que je l'ai. Je ne l'avais jamais utilisé. Comme à peu près la moitié de mes affaires. Mais sur le coup, c'est pas facile à comprendre comment faire des polaroïdes. Mais après, une fois qu'on a compris le principe, voilà. Ça va tout seul. Donc, pour celui-ci, je vais coller alors, 2 ronds comme ceci. Donc, d'abord celui-ci. Est-ce que je ne viendrai pas mettre un petit bout de ruban? Comme j'ai fait... par exemple. Oh, par exemple, je mettrai un petit bout de ruban comme ça. Fatigué. Allez. Hop. J'ai mis un petit peu trop grand. Hop là, en dessous, ça se fait pas. Voilà. Donc on a des artifices, on peut cacher.
Donc, je vais coller celui-ci. Hop. Voilà. Ensuite, je vais coller celui-ci. Hop. Ensuite, nous allons avoir celui-ci comme ceci. Ouais. En 3D, mais d'abord, je vais mettre quelques feuillages blancs comme sur la carte. Hop. On va mettre ça là. Voilà, on trouve deux petits feuillages blancs. Hop, celui-là, c'est pas trop mal. Alors, on va le mettre comme ça. Déjà un comme ça. Ensuite, on va remettre un petit. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ah, celui-là, il est mignon. On va mettre celui-ci, tiens. Ah, attendez, hein, parce que je voudrais quand même qu'on voie le Let Snow qui est marqué sur mon rondin de bois. Du coup, je vais le mettre comme ça. On va mettre le Let It Snow, le gros rondin en 3D. Oh, c'était pas celui-ci. Ce n'était pas celui-ci que je voulais. Je ne sais pas pourquoi toutes les youtubeuses, enfin toutes celles qui font des vidéos de scrap ou je sais pas, on chante quand on parle. C'est bizarre, non? Enfin, je sais pas. Je vois beaucoup de youtubeuses qui chantent sur leur chaîne. Elles font du scrap et elles chantent. Le scrap, ça doit rendre heureux. Je sais pas. Allez, un dernier petit bout. Ici. Oups. Hop, et là, je vais venir enlever tout ce qui dépasse. Impec. Ça tourne encore parce que comme j'ai pas beaucoup de place, je surveille. L'autre jour, j'étais en train de tourner une vidéo et d'un coup, plus d'espace libre. Hop. Allez, on va coller ça. Ensuite, ben, comme sur l'autre, je vais coller mes petites étoiles. Je vais venir mettre quelques demi-perles. Je vais mettre une agrafe aussi, je pense. Je ne sais pas. Hop, alors, on a mis des petites cloches. Ah, j'ai perdu quelque chose. J'avais autre chose pour cette carte et j'ai perdu. J'ai perdu. J'ai mis où? Oh, bordel. J'avais autre chose.
perdu. Voilà, encore une fois, si je le retrouve, je le mettrai hors caméra. J'ai le mot ici, winter, mais je ne sais pas où je l'ai foutu. Putain. Quand je vous dis que c'est le bordel. Ouais, ben ouais, pourtant je l'ai préparé. Ça, c'est le courrier à ouvrir. C'est pas là. Bon, ben, je pense que je le mettrai hors caméra parce que je l'ai perdu. Alors, pareil, petit bout de washi. C'est terrible hein, quand vous préparez tout. Hein. Pourtant, il est là. Hein. Il doit être, il est là. Il a glissé quelque part. Un petit bout de washi pour mettre ici, comme ceci. Le mot cosy. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Je ne sais pas où il a pu aller se perdre. Le mot cosy. Je vais mettre une petite agrafe. Il faudrait que je m'en serve plus souvent de cette agrafeuse. Elle est super. En plus, j'ai acheté des agrafes il n'y a pas longtemps. Par contre, ouais, elle a bien pris la poussière. Hein. Oh, pétard. Hop. Voilà. Donc, on se met bien. Oh merde, mince, 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 mince. Hop, mince, elle est bien mise. Hop, ça c'est fait. J'aime bien, ça donne un petit effet. Allez, hop, je vous passe devant. Ensuite, ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? J'espère que je ne l'ai pas jeté le haut en jetant mes ordures de la carte. Bon, je verrai bien. Et ensuite, je vais venir coller des petites étoiles comme tout à l'heure et des petits strass. Et ce sera fini. Et je viendrai coller le mot winter si je retrouve. Hop. En plus, je ne sais même pas pourquoi j'ai mis du ruban, parce que du coup, sur ma carte, on ne le voit plus. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop. Voilà. Quelques petits strass. Ah, je suis dégoûtée de ne pas avoir mon mot, là. On va mettre 3 comme sur la carte. Hop. Bon, j'ai foutu. C'est terrible quand même. Chaque création que je fais, il faut que je perde quelque chose. Je prépare tout hein, pourtant. Okay, je perds la boule. J'ai reçu des très très beaux courriers. Donc, comme j'en ai que deux, je vais attendre d'en avoir au moins un troisième pour faire une vidéo. Il est parti où celui-ci? Très, très loin. Très, très loin. Donc, on va en prendre un autre. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Hop. Et voilà. Ben, je suis un peu déçue parce que je ne peux pas vous montrer totalement fini puisque j'ai perdu un morceau. Je vais peut-être vous mettre sur pause 2 secondes. Je vais regarder si je le retrouve. Bon, là, je comprends pas parce que j'ai tout rangé. Enfin, tout rangé, c'est un bien grand mot. J'ai tout débarrassé. Enfin, tout rangé ce que j'avais utilisé pour faire mes petites créas, là. Il me reste que mon tas... que j'ai reçu à ranger, mais c'est pas dedans. Et j'ai pas retrouvé le mot. Donc, on va en prendre un autre. Alors, j'ai pris là quelques-uns dans un bloc d'action et le reste, j'ai pris là-dedans. Et j'ai pris ouais, le mot winter. Et franchement, je sais pas où il est passé. Je l'avais posé là, bien, j'avais tout préparé. J'ai tout poussé là-bas pour tourner la vidéo et
Moi disparu, ça c'est quand même. Bref, on va en trouver un autre. Merry Christmas, ça va pas. Je suis saoulée là. C'était celui-là que j'avais pris. Il est là, il passé où? Noter, qu'est-ce que je peux mettre du coup? Faut que je trouve Winter, quelque chose sur Winter. Oh là, ben, c'était le même que celui-là, donc hop, comme on l'a en double, ben, je vais reprendre. C'était à peu près le même que celui-là. Ouais, je sais pas où il est passé. Il est pas dedans, hein. Je vais reposer dedans. Non, 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 parce qu'il était dessus. Donc, bon, écoutez, allez, c'est pas très grave. C'est perdu, c'est perdu. Ça se trouve, c'est parti à la poubelle quand j'ai fait. Quand j'ai enlevé tout ce que j'avais utilisé pour faire la carte, bah, c'est pas très grave en soi. Je ne vais pas mourir pour un die cut. Mais voilà, on colle le mot Winter ici. Et ce sera terminé. Voilà. Donc, un Polaroid. Et la petite carte. Voilà. Donc, je vais aller de ce pas envoyer un mail pour avoir l'adresse postale et pour envoyer tout ça. J'en ai deux que j'ai fait là, deux concours que j'ai participé. Et voilà, et après, je ne sais pas si j'en ferai d'autres pour le mois de février. Je vais voir ce qu'il y a. Et puis, au cas où, ben, je vous referai des petites vidéos. Voilà, je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.